Cet enfant se faisait battre par son père alcoolique. Sous les coups incessants, il est tombé à terre sur son jouet qu'il prenait dans ses bras. Mais à ce moment-là, le jouet a pris une forme humaine et a transpercé le cœur du père. Par la suite, le journal affirmait que l'enfant avait tué son père alcoolique. Alors, l'enfant est resté en prison. Le temps passa et l'enfant est devenu un homme. Après sa libération, il décida de retourner dans sa maison. Une fois à l'intérieur, il se dirigea vers le jouet et s'écroula en larmes. Car après avoir retiré le casque du jouet, il a vu un squelette. En réalité, c'était le squelette de son petit frère. Il l'aimait tellement qu'il lui avait dit de se cacher là pour qu'il ne se fasse pas frapper.